Bonjour, je m'appelle Alessia. Je m'appelle Benjamin. Je m'appelle Cédric Ponce. Je m'appelle Alexandra. Je suis Pauline Perrault. Bonjour, je m'appelle Fred. J'ai un parcours très atypique. J'ai été danseur professionnel pendant 10 ans. Et il y a 3 ans, je me suis reconverti dans le métier de l'hôtellerie en tant que réceptionniste d'hôtel. Je suis en France depuis 7 ans. Professeur des langues en France et puis en Russie, j'ai trouvé ma voie professionnelle en hôtellerie suite à mon expérience en tant que réceptionniste dans un hôtel. Je suis chef de réception au Grand Hôtel d'Orléans à Toulouse. J'ai commencé dans ce domaine d'activité à 19 ans par un apprentissage dans ce même établissement. Après avoir été embauchée en tant que réceptionniste dans cet hôtel, j'ai rapidement évolué en passant de première de réception à aujourd'hui chef de réception. J'ai commencé ma formation par un BTS en hôtellerie pour devenir pâtissier. Ça ne m'a pas du tout plu. J'ai pu pendant ma formation m'immerger sur le poste de réceptionniste. Cela a suscité mon intérêt sur cette spécialité. J'ai alors su que je pouvais en faire mon métier. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un métier dans lequel j'ai beaucoup d'autonomie. C'est moi qui organise mes journées à ma façon, avec toujours dans l'objectif d'optimiser le chiffre d'affaires bien sûr, mais tout en m'organisant comme je le souhaite. Ce qui me motive dans ce métier, c'est tout d'abord le côté relationnel de mon travail, l'activité en flux tendu et bien sûr la diversité des tâches exercées. Même si vous pensez ne pas avoir toutes les compétences requises, nous recherchons avant tout des personnes motivées et curieuses d'apprendre. On a toujours ce problème récurrent à trouver du personnel. Paris comprend, c'est de trouver les personnes qui ont envie, qui sont prêtes à s'investir. Tant qu'on a le savoir-être, nous on est prêts à, entre guillemets, apporter le savoir-faire. Donc tout ce qui est technique, service, accompagnement client, anticipation, organisation, ça c'est des choses que nous on sait apporter, c'est des choses qu'on sait donner aux collaborateurs qui intègrent généralement l'entreprise. C'est un secteur d'activité où il y a beaucoup d'offres d'emploi. N'hésitez pas à candidater sur les métiers de l'hôtellerie. Franchissez le pas, venez travailler dans ce métier. N'hésitez pas à vous présenter directement dans les établissements pour découvrir les métiers au travers d'une immersion professionnelle, comme cela a été le cas dans notre hôtel.